Voilà mes très chers, comme vous avez pu voir, j'ai mis sur mes deux pieds, côté gauche, c'est simplement pour vous montrer que vous pouvez appliquer ceci sur tout le visage et sur tout le corps. C'est un soin comme au spa. Donc, avec Marie-Denis Coach, vous êtes au spa avec que des produits bio. Vous-même, vous avez pu le voir. C'est pas compliqué, c'est très simple. Voilà, n'hésitez pas à refaire ceci chez vous. Oui, mesdames de valeur, j'espère que vous allez bien, les queens. J'espère que tout se passe bien de votre côté, du côté de votre famille. Alors, pour faire ce gel moussant sans savon, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de poudre de moringa que vous pouvez voir là. C'est de la poudre de moringa. Pour toutes les personnes qui veulent commander ce produit, qui veulent entrer en possession de cette poudre de moringa, n'hésitez pas à me contacter ou à aller sur mon site internet www.marielonicoach.com. Comme je vous l'avais dit, cette poudre soigne également plus de 300 maladies. La poudre de moringa, renseignez-vous. Ensuite, nous aurons besoin de 2 cuillères à soupe de fécules de maïs que voici. Nous aurons besoin ensuite de fleurs d'hibiscus, encore appelée le bissap. Je vais la rendre en poudre parce que nous n'allons pas l'utiliser comme ça. Nous allons la rendre en poudre. Je répète, le bissap pour faire notre gel gommant sans savon. C'est très 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 bien pour la peau. Ce que vous allez voir là, vous n'avez jamais vu ça ailleurs. C'est l'un de mes secrets que je vous livre aujourd'hui. Pour des personnes qui ont des problèmes de peau, n'hésitez pas à contacter Marie-Denis Coach. Si vous avez brûlé votre peau avec des produits forts, n'hésitez pas à me contacter. J'ai fait une formation, je suis pas là pour vous dire des bêtises, ok? Ensuite, vous aurez besoin de la glycérine végétale, s'il vous plaît, de la glycérine végétale pour toutes les personnes également qui veulent s'en procurer. N'hésitez pas à me contacter ou à regarder sur mon site internet de www.marielonicoach.com. Pour cela, nous aurons besoin de 1 cuillère à soupe que j'ai déjà mis dans ce bol. Notre glycérine végétale, 1 cuillère à soupe. On est bien d'accord. Comme je le disais ici, glycérine végétale, s'il vous plaît, ne confondez pas. Ensuite, vous aurez besoin de 30 ml d'eau que voici. Enfin, vous aurez besoin du miel biologique. Ne regardez pas l'emballage, c'est pas grave. C'est parce que ça vient directement de l'extraction de mon grand-père. C'est lui qui extrait le miel. C'est sans sucre rajouté. C'est sans produits chimiques. C'est hyper, hyper bio. Oh, vous pouvez voir là. Vous voyez comment? Vous allez voir tout à l'heure quand je vais mettre là. Ce miel est de première qualité. Voilà. Vous voyez comment ça fait là, non? C'est pas le miel que vous achetez à Lidl ou Carrefour ou quoi que ce soit avec plein de sucre là. Du coup, pour les personnes qui veulent entrer en possession de ce miel biologique là, n'hésitez pas à me contacter. Nous en aurons également besoin pour faire notre gel gommant super super efficace. C'est quelque chose de secret. Voilà, nous avons tous nos ingrédients. Nous avons la poudre de moringa, 2 cuillères à soupe, la fécule de maïs, 2 cuillères à soupe, notre glycérine végétale que vous trouverez sur nos stores sur notre site internet www.marielonicoach.com. Ensuite, nous avons la fleur d'hibiscus que nous allons rendre en poudre. C'est ça, encore appelé le foléré ou le bissap pour les personnes qui connaissent. 30 ml d'eau. Nous avons notre miel sans sucre rajouté. Alors, nous allons commencer notre préparation. C'est très simple. Regardez simplement la vidéo jusqu'à la fin. Pour des personnes qui me découvrent maintenant, abonnez-vous, activez toutes les notifications pour toujours être au parfum de toutes les publication que nous mettons en ligne ici pour vous. Je suis Marie-Lunie Coach. Si vous avez des problèmes de peau, si vous êtes âgé jusqu'à 45 ans, j'ai des produits pour vous. À partir de 45 ans jusqu'à X âge, on entre là dans une gamme de produits anti-âge, troisième âge. Quelles que soient les imperfections cutanées que vous avez dues au problème, je ne sais comment, contactez-moi pour un suivi. Vous allez prendre mes produits, vous allez voir par vous-même le résultat. Après, ne dites pas que vous n'étiez pas au courant, ok? Parce que ici, je vous rends très belle. Je relouque votre peau. Bien, mes très chers, je suis passée au mix
mixeur. J'ai écrasé notre fleur d'hibiscus. Voilà ce que nous obtenons. Hein. Vous avez la possibilité de ne vraiment pas très, 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 très bien écraser. Comme ça, ça fait un bon gommage. Ça fait un peu de grumeaux. Ok? Voilà ce que nous obtenons. Ensuite, nous allons prendre nos 2 cuillères à soupe de maïzena. Que voici, hein, voici ça. J'ai déjà mis exactement 2 cuillères à soupe dans le bol. Nous allons déposer là. Ensuite, nous rajoutons nos 2 cuillères à soupe de miel. Regardez la qualité du miel, vous voyez. 2 cuillères à soupe, hein, s'il vous plaît. Ensuite, nous rajoutons notre 1 cuillère à café de glycérine. Hein. Voilà, c'est ça. Ensuite, nous rajoutons nos 30 ml d'eau, puis nous remuons intensément. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. Voilà, après avoir très bien remué, nous allons passer notre mélange au bain-marie. Hein. Regardez attentivement, c'est très simple, ok? Alors, mes très chers, voilà ce que nous obtenons. Hein, voilà. Quand le miel est de pure qualité, forcément, vous allez obtenir cette couleur un peu, vous voyez. Bien, pendant que je vais continuer la recette, je vous exhorte à vous abonner pour les personnes qui me découvrent à l'instant. Si vous voulez toujours recevoir nos recettes au quotidien, abonnez-vous. Et si vous avez des problèmes de peau, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toujours mon numéro dans toutes mes vidéos ou alors dans la barre de description de toutes nos vidéos. Voilà, nous ajoutons notre moringa, environ 1 cuillère à soupe pour ceux et celles là qui ne veulent pas doser. 2 cuillères à soupe si vous voulez plus de dosage, ok? Bien. Ensuite, vous allez simplement remuer. Mes très chers, vous avez pu voir, nous avons fabriqué un gel gommant, exfoliant, nettoyant, épurateur, lifter, qui s'utilise en masque et comme en gommage. Pour le mode d'utilisation, vous allez utiliser un masque, puis gommage. Ce qui est très bien, c'est que ça passe sur le visage et sur tout le corps. C'est une formule douce, sans savon, qui nettoie en douceur, sans agresser votre peau. Elle va matifier votre peau grâce à la follicule de maïs, qu'on peut remplacer également par la poudre de riz. Ceci purifie et donne de l'éclat à votre peau grâce à la poudre de moringa. Pour un effet régénérant et adoucissant, choisissez plutôt l'option du Bissap. Vous allez pouvoir réduire les quantités pour une utilisation sur un visage. Donc, si vous voulez utiliser simplement sur le visage, alors réduisez simplement les quantités. C'est un soin minute, hein, donc vous allez l'utiliser comme au spa. Ce n'est pas à faire et à conserver une semaine au réfrigérateur, non. Le nombre de jours maximum à conserver ceci au réfrigérateur et de 3 jours. Donc, ce sont des choses qu'on fait dans les spas. Donc, c'est un secret vraiment que je vous livre comme ça. N'hésitez pas à me dire merci, à m'encourager, à vous abonner sur ma chaîne Marie-Lonie Coach. Si vous avez des problèmes de peau, n'hésitez pas. Contactez-moi pour une consultation, pour un suivi. Produit de fabrication personnelle vous aide à soigner votre peau, à la matifier, à la rendre douce sans agresser votre peau. Ça, je vous le promets, les résultats sont garantis. Bienvenue pour les nouvelles personnes. Abonnez-vous, activez toutes les notifications. On se dira plus
tard dans de très très belles nouvelles vidéos. D'ici, n'hésitez pas, faites-nous part de vos commentaires. Si vous aviez déjà fait ce soin, comment est-ce que vous avez découvert ma chaîne Marie-Louise Coach, si c'est par hasard, n'hésitez pas, abonnez-vous, encouragez-nous, félicitez mon travail. Ce fut un plaisir, que le Seigneur vous bénisse. Bisous, bisous.